Voilà, bonsoir à toutes, à tous. Désolé pour le petit retard à l'allumage, effectivement. Ce n'est pas un poisson d'avril. On est bien là et on n'est pas du tout sur le corrigé. On est sur la consigne, comme d'habitude, avec les règles qui n'ont pas changé, les fautes entières, pour les mots manquants mal écrits. Pour les signes diacritiques, pour les accords, pour les majuscules. Et la bonne nouvelle, au maximum, une faute par mot ou par locution. Nos références sont celles de l'année en cours 2021. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver, certains après quelques jours d'interruption, puisqu'il y a eu une dictée diffusée samedi, dans le cadre de Lire à Lausanne. Et vous pouvez peut-être la retrouver sur Facebook ou sur le site de Lire à Lausanne ou de la ville de Lausanne. C'était un peu le même format que pour ces dictées du jeudi soir, du premier jeudi de chaque mois. Donc, si vous ne craignez pas l'indigestion, bienvenue à nouveau. Et comme d'habitude, avec notre partenaire orthodidacte, on vous invite à vous inscrire sur Orthodidacte et à pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités relatives à cette dictée, c'est-à-dire que vous pouvez taper votre texte dans une fenêtre et que vous aurez la correction immédiatement après votre validation. Merci beaucoup à Sylvain Ravaud de Scrabblefield qui vous donne directement le lien pour la dictée de ce samedi, de samedi passé. Bien, dictée d'avril, vous êtes prête, prêt dans les starting blocks. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps et je procéderai de la manière habituelle en vous lisant d'abord l'entier de la dictée, toujours en quatre paragraphes, selon vos catégories, et ensuite je procéderai à la lecture de phrases, de bouts de phrases. Vous aurez un petit moment pour relire et tout le monde, en même temps, pourra valider son texte avant une petite correction commentée. Le texte du jour s'appelle Une liberté conditionnelle. Le premier jour d'avril fut-il jadis le début de l'année civile? C'est du moins ce que racontent plusieurs légendes. Un roi de la Renaissance, fixant en janvier le point de départ du calendrier, aurait rendu caduques les vœux que l'on se souhaitait juste après l'équinoxe de printemps. L'astrologie en a gardé le souvenir et place toujours les béliers en tête des horoscopes. Mais la réforme entra dans les mœurs et pour moquer les nostalgiques, cette date fut depuis lors l'occasion de blagues et de canulars. Fin du premier paragraphe, cadet et fleu. Toutefois, aujourd'hui n'est pas qu'une parenthèse dédiée aux supercheries, mais c'est aussi la veille du Vendredi Saint et concomitamment des vacances de Pâques. Pour moi qui suis enseignante, cette soirée inaugure donc un espace de liberté. Bientôt, je n'aurai plus besoin, pensais-je encore naïvement à cette heure, de compulser mes pense-bêtes. Fini les questions bateaux que m'ont si fréquemment posées mes lycéens. Oubliez les cernes des petits matins embrumés qui m'ont forcé à employer des crèmes anti-âge. Fin du deuxième paragraphe, paragraphe des juniors. Dans un élan résolument optimiste, je me suis déjà mis en tête de lire de la poésie moderne. Or, les œuvres complètes de Jacotet, ce vaudois tombé amoureux de la Drôme provençale, se sont récemment vues éditées dans une prestigieuse collection. Ce sont les textes d'Icelle que j'ai lus avec une attention confinant à la dévotion et qui m'ont transporté parmi les oiseaux, à travers les airs et jusqu'en Russie. Je croyais pouvoir poursuivre avec bonne foi, puis avec Éluard. Fin du troisième paragraphe, celui des seniors amateurs.
Mais ces 2 semaines risquent fort d'être phagocytées par des préoccupations plus terre à terre. En effet, les piles de copies à corriger qui s'étaient amoncelées sur mon bureau n'ont pas décru. Mon Groenendal réclamera sans doute son lot de balades requérant d'éviter les ixodes planqués dans les herbes hautes. Il me faudra enfin résister à l'appel de la bonne chère, préférer une frugale cancoyotte à de gras brillas savarin et limiter ma consommation à 2 bananas split par semaine. Fin de la dictée. Je reprends dans le détail. Le titre que tout le monde écrit. Une liberté conditionnelle. Une liberté conditionnelle. Une liberté conditionnelle. À la ligne. Le premier jour d'avril. Le premier jour d'avril. Le premier jour d'avril. Fut-il jadis le début? Fut-il jadis le début? Fut-il jadis le début de l'année civile? Point d'interrogation. De l'année civile. Point d'interrogation. De l'année civile. Point d'interrogation. C'est du moins ce que racontent plusieurs légendes. 2 points. C'est du moins ce que racontent plusieurs légendes. 2 points. C'est du moins ce que racontent plusieurs légendes. 2 points. Un roi de la Renaissance, virgule. Un roi de la Renaissance, virgule. Un roi de la Renaissance, virgule. Fixant en janvier le point de départ du calendrier, virgule. Fixant en janvier le point de départ du calendrier, virgule. Fixant en janvier le point de départ du calendrier, virgule. Aurait rendu caduc. Aurait rendu caduc. Aurait rendu caduc. Les vœux que l'on se souhaitait. Les vœux que l'on se souhaitait. Les vœux que l'on se souhaitait. Les vœux que l'on se souhaitait juste après l'équinoxe de printemps. Point. Juste après l'équinoxe de printemps. Point. Juste après l'équinoxe de printemps. Point. L'astrologie en a gardé le souvenir. L'astrologie en a gardé le souvenir. L'astrologie en a gardé le souvenir. L'astrologie en a gardé le souvenir et place toujours les béliers. Et place
toujours les béliers et place toujours les béliers en tête des horoscopes. Point. En tête des horoscopes. Point. En tête des horoscopes. Point. Mais la réforme entra dans les mœurs. Mais la réforme entra dans les mœurs. Mais la réforme entra dans les mœurs et virgule pour moquer les nostalgiques virgule. Et virgule pour moquer les nostalgiques virgule. Et virgule pour moquer les nostalgiques virgule. Cette date fut depuis lors. Cette date fut depuis lors. Cette date fut depuis lors l'occasion de blagues et de canulars. Point. L'occasion de blagues et de canulars. Point. L'occasion de blagues et de canulars. Point. Fin du premier paragraphe. Fin pour les cadets et les Français langue étrangère. Ceux qui continuent vont à la ligne. Toutefois, virgule, aujourd'hui n'est pas qu'une parenthèse. Toutefois, virgule, aujourd'hui n'est pas qu'une parenthèse. Toutefois, virgule, aujourd'hui n'est pas qu'une parenthèse. Dédié aux supercheries, virgule. Dédié aux supercheries, virgule. Toutefois, virgule, aujourd'hui n'est pas qu'une parenthèse dédiée aux supercheries, virgule, mais c'est aussi la veille du Vendredi Saint. Mais c'est aussi la veille du Vendredi Saint. Mais c'est aussi la veille du Vendredi Saint. Et virgule concomitamment virgule. Et virgule concomitamment virgule. Et virgule concomitamment virgule. Des vacances de Pâques. Point. Des vacances de Pâques. Point. Des vacances de Pâques. Point. Pour moi qui suis enseignante, virgule. Pour moi qui suis enseignante, virgule. Pour moi qui suis enseignante, virgule. Cette soirée inaugure donc un espace de liberté. Point. Cette soirée inaugure donc un espace de liberté. Point. Cette soirée inaugure donc un espace de liberté. Point. Bientôt, virgule, je n'aurai plus besoin, virgule. Bientôt, virgule, je n'aurai plus besoin, virgule. Bientôt, virgule, je n'aurai plus besoin, virgule. Pensais-je encore naïvement à cette heure, virgule. Pensais-je encore naïvement à cette heure, virgule.
Pensais-je encore naïvement à cette heure, virgule, de compulser mes penses bêtes, point. De compulser mes penses bêtes, point. De compulser mes penses bêtes, point. Fini, virgule, les questions bateaux. Fini, virgule, les questions bateaux. Fini, virgule, les questions bateaux que m'ont si fréquemment posé mes lycéens. Point d'exclamation. Que m'ont si fréquemment posé mes lycéens. Point d'exclamation. Que m'ont si fréquemment posé mes lycéens. Point d'exclamation. Oubliez, virgule, les cernes des petits matins embrumés. Oubliez, virgule, les cernes des petits matins embrumés. Oubliez, virgule, les cernes des petits matins embrumés qui m'ont forcé à employer des crèmes anti-âge. Point d'exclamation. Qui m'ont forcé à employer des crèmes anti-âge. Point d'exclamation. Qui m'ont forcé à employer des crèmes anti-âge. Point d'exclamation. Fin du deuxième paragraphe. Fin pour les juniors qui, comme les cadets, attendent la toute fin du texte pour avoir leur relecture et pour pouvoir valider leur texte sur orthodidacte. Les seniors vont à la ligne. Dans un élan résolument optimiste, virgule, 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 je me suis déjà mis en tête, je me suis déjà mis en tête, je me suis déjà mis en tête de lire de la poésie moderne. Point. De lire de la poésie moderne. Point. De lire de la poésie moderne. Point. Or, les œuvres complètes de Jacotet. Or, les œuvres complètes de Jacotet, virgule. Or, les œuvres complètes de Jacotet, virgule. Ce vaudois tombé amoureux de la Drôme provençale, virgule. Ce vaudois tombé amoureux de la Drôme provençale, virgule. Ce vaudois tombé amoureux de la Drôme provençale, virgule, se sont récemment vus éditer, se sont récemment vus éditer, se sont récemment vus éditer dans une prestigieuse collection. Point. Dans une prestigieuse collection. Dans une prestigieuse collection. Point.
Ce sont les textes d'Issel. Ce sont les textes d'Issel. Ce sont les textes d'Issel que j'ai lus avec une attention confinant à la dévotion, virgule, que j'ai lus avec une attention confinant à la dévotion, virgule, que j'ai lu avec une attention confinant à la dévotion, virgule, et qui m'ont transporté parmi les oiseaux, virgule, et qui m'ont transporté parmi les oiseaux, virgule, et qui m'ont transporté parmi les oiseaux, virgule, à travers les airs, virgule, et jusqu'en Russie, point. À travers les airs, virgule, et jusqu'en Russie, point. À travers les airs, virgule, et jusqu'en Russie, point. Je croyais pouvoir poursuivre avec bonne foi, virgule. Je croyais pouvoir poursuivre avec bonne foi, virgule. Je croyais pouvoir poursuivre avec bonne foi, virgule, puis avec Éluard, point. Puis avec Éluard, point. Puis avec Éluard, point. Fin du troisième paragraphe, celui des seniors amateurs qui attendent la relecture et la validation pour envoyer leur texte. Les seniors confirmés vont à la ligne. Mais ces deux semaines risque fort d'être phagocyté. Mais ces deux semaines risque fort d'être phagocyté. Mais ces deux semaines risque fort d'être phagocyté par des préoccupations plus terre à terre, point. Par des préoccupations plus terre à terre, point. Par des préoccupations plus terre à terre, point. En effet, virgule, les piles de copies à corriger. En effet, virgule, les piles de copies à corriger. En effet, virgule, les piles de copies à corriger qui s'étaient amoncelées sur mon bureau. Qui s'étaient amoncelées sur mon bureau. Qui s'étaient amoncelées sur mon bureau n'ont pas décru, point d'exclamation. N'ont pas décru, point d'exclamation. N'ont pas décru, point d'exclamation. Mon Groenendaal. Mon Groenendaal. Mon Groenendaal réclamera sans doute son lot de balades. Réclamera sans doute son lot de balades. Réclamera sans doute son lot de balades.
requérant d'éviter les ixodes, requérant d'éviter les ixodes, requérant d'éviter les ixodes, planqué dans les herbes hautes. Point. Planqué dans les herbes hautes. Point. Planqué dans les herbes hautes. Point. Mon Groenendal réclamera sans doute son lot de balades, requérant d'éviter les ixodes planqués dans les herbes hautes. Point. Il me faudra enfin résister. Il me faudra enfin résister. Il me faudra enfin résister. À l'appel de la bonne chère, virgule. À l'appel de la bonne chère, virgule. À l'appel de la bonne chère, virgule. Préférer une frugale cancoyotte. Préférer une frugale cancoyotte. Préférer une frugale cancoyotte à de gras brillats savarins. À de gras brillats savarins. À de gras brillats savarins. Et limiter ma consommation à 2 banana split par semaine. Point d'exclamation. Et limiter ma consommation à 2 banana split par semaine. Point d'exclamation. Et limiter ma consommation à 2 banana split par semaine. Point d'exclamation. Fin de la dictée. Même pour les seniors confirmés. Je relis l'ensemble du texte, puis vous aurez 5 minutes pour enlever des fautes ou en ajouter selon la formule bien connue. Le titre, une liberté conditionnelle. À la ligne. Le premier jour d'avril fut-il jadis le début de l'année civile? Point d'interrogation. C'est du moins ce que racontent plusieurs légendes. 2 points. Un roi de la Renaissance, virgule, fixant en janvier le point de départ du calendrier, virgule, aurait rendu caduques les vœux que l'on se souhaitait juste après l'équinoxe de printemps. Point. L'astrologie en a gardé le souvenir et place toujours les béliers en tête des horoscopes. Point. Mais la réforme entra dans les mœurs. Et, virgule, pour moquer les nostalgiques, virgule, cette date fut depuis lors l'occasion de blagues et de canulars. Point, fin pour les cadets et les français langue étrangère. À la ligne, toutefois, virgule. Aujourd'hui n'est pas qu'une parenthèse dédiée aux supercheries, virgule. Mais c'est aussi la veille du Vendredi Saint et, virgule, concomitamment, virgule, des vacances de Pâques. Point. Pour moi qui suis enseignante, virgule, cette soirée inaugure donc un espace de liberté. Point. Bientôt, virgule, je n'aurai plus besoin, virgule, pensais-je encore naïvement à cette heure, virgule, de compulser mes penses bêtes. Point. Fini, virgule, les questions bateaux que m'ont si fréquemment posé mes lycéens. Point d'exclamation. Oubliez, virgule, les cernes des petits matins embrumés qui m'ont forcé à employer des crèmes anti-âge. Point d'exclamation. Fin de la dictée des juniors. À la ligne, dans un élan résolument optimiste,
virgule, je me suis déjà mis en tête de lire de la poésie moderne. Point. Or, les œuvres complètes de Jacotet, virgule, ce vaudois tombé amoureux de la Drôme provençale, virgule, se sont récemment vues éditées dans une prestigieuse collection. Point. Ce sont les textes d'Icel que j'ai lus avec une attention confinant à la dévotion, virgule, et qui m'ont transporté parmi les oiseaux, virgule, à travers les airs, virgule, et jusqu'en Russie. Point. Je croyais pouvoir poursuivre avec bonne foi, virgule, puis avec Éluard. Point. Fin pour les seniors amateurs, à la ligne, mais ces deux semaines risquent fort d'être phagocytées par des préoccupations plus terre-à-terre. Point. En effet, virgule, les piles de copies à corriger qui s'étaient amoncelées sur mon bureau n'ont pas décru. Point d'exclamation. Mon Groenendal réclamera sans doute son lot de balades, requérant d'éviter les ixodes planqués dans les herbes hautes. Point. Il me faudra enfin résister à l'appel de la bonne chère, virgule, préférer une frugale cancoyote à de gras brias avarins et limiter ma consommation à 2 bananas split par semaine. Point d'exclamation. Fin de la dictée. Et bonne relecture à tout le monde. Il est 20h40 chez moi, aux alentours de 20h45. La validation sera ouverte. Restez attentifs à ce qui se passe sur le chat. Bonne réflexion.
Alors, la fin est proche. J'ai juste corrigé les consignes puisque en 2021, on avait dit qu'on exigeait les accents sur les majuscules. L'accent n'est donc pas vraiment en option. Tous les accents qui manquent seront sanctionnés, de même que les ligatures, comme vous pouvez le voir dans les exemples. Attention, validation ouverte. Plus de regrets. C'est parti. C'est la dernière qui sonne. Validez, validez. Il en restera toujours quelque chose. Et vous serez instantanément informé de votre résultat. Voilà, je vois que la validation est terminée. Les consignes n'ayant pas changé un mot de la dictée vous était entre guillemets offert, mais c'est le jeu. Et on va pouvoir passer au corrigé commenté. Vous avez devant vous, si vous avez participé sur Orthodidacte, vos fautes et le texte correct. Néanmoins, il peut être intéressant d'écouter les commentaires qui vont avec ce texte. Donc, on va passer au corrigé de cette dictée d'avril. Le même code couleur que d'habitude. En orange pour l'orthographe d'usage, en vert les homophones, en rouge les majuscules, en bleu les accords du participe, en violet les autres accords. Et on commence avec cette liberté conditionnelle et ce premier jour d'avril. On a dans les premiers mots de la dictée avril, janvier et printemps, on n'y met pas de majuscules. Donc attention à ces détails. Par exemple, quand vous écrivez une lettre formelle, il faut écrire le mois en toutes lettres. Par exemple, Paris, virgule, le 1er avril 2021. Avril doit être écrit sans majuscule et donc avec une minuscule. En revanche, Renaissance prend une majuscule quand il désigne une époque historique. Donc le roi de la Renaissance, apparemment Charles IX, s'écrit avec une minuscule à roi, mais une majuscule à Renaissance. Attention également aux accords, ce que racontent plusieurs légendes, ce sont les légendes qui racontent, donc le sujet est placé après le verbe, raconte ENT, et aurait rendu caduques les vœux. Ici, cet attribut du complément d'objet direct, caduc, s'accorde puisqu'il se rapporte aux vœux. Les vœux auxquels vous n'oublierez pas la ligature, donc le E dans l'eau. Il y a dans le clavier spécifique d'orthodidacte cette possibilité, OE. Sinon, vous pouvez trouver ça dans les symboles particuliers. L'astrologie, elle est bélier, comme les autres signes astrologiques. Ils sont invariables et prennent la majuscule, donc les béliers sans S.
dans les horoscopes. Le mot qui était offert avec sa ligature, c'était les mœurs. On préférera la prononciation mœurs à mœurs, qui s'entend aussi très bien, mais qui ne se légitime guère. Les mœurs vient du latin, hein, mores, au tempora ou mores, les habitudes, les coutumes, et c'est utilisé dans ce sens-là ici, entrer dans les mœurs. Cette date fut, comme lors de la première phrase avec fut-il, c'est un indicatif passé simple, donc pas de raison de mettre de circonflexe ici. L'occasion de blague et de canular, je n'ai pas fait la liaison, mais le sens impose le pluriel. Pour ces blagues, ces canulars, ces poissons, typiques d'une date que nous vivons encore pour quelques heures. Voilà pour la dictée des fleux et des cadets. On poursuit avec la parenthèse, parenthèse avec EN au début, je ne pense pas que le piège soit énorme, on n'oublie pas le H également. Vendredi saint, vous avez le choix de la majuscule ou pas. Je la préfère, mais c'est personnel. Concomitamment, un M la première fois, un T, et puis deux M dans la terminaison de cet adverbe. Les vacances de Pâques, Pâques avec majuscule et avec S, contrairement à la Pâques juive. C'est toujours compliqué, Pâques, puisque les Pâques chrétiennes viennent de la Pâques juive. On a cette distinction orthographique qui est faite entre les deux. On poursuit. Moi qui suis enseignante, ça nous informe du fait que je suis une femme, comme souvent, ce qui permet plus d'accord du participe passé. Vous êtes coutumier de cette spécificité des dictées. Un espace de liberté, cela figure dans les dictionnaires, donc espace de liberté au singulier pour la liberté, terme qui revient puisqu'il était déjà dans le titre. Bientôt je n'aurai plus besoin, pensais-je encore naïvement à cette heure, c'est cette heure-ci, tout le paragraphe est au présent, et donc cette enseignante est à l'orée de ses vacances et s'imagine encore à ce moment-là qu'elle sera libérée de toutes ses contraintes et qu'elle pourra avoir deux semaines à elle. Donc pensais-je, avec E accent aigu ou E accent grave, mais c'est bien la forme du présent. La forme avec accent grave vient de la nouvelle orthographe recommandée. Naïvement, il y a un tréma. Et les pense-bêtes s'accordent, c'est un nom variable. Et c'est plus ou moins le synonyme de memento ou aide-mémoire. Mais attention au S à pense-bête, S à bête, pas à pense, qui est un verbe, qui donc traditionnellement ne prend pas la marque du pluriel dans les noms composés. Voilà. On poursuit avec les questions bateau. Fini et oublié ici s'accordent clairement avec le nom auquel il se rapporte. Par contre, bateau est un adjectif invariable. Donc les questions bateau, E-A-U, que m'ont si fréquemment posé, ils ont posé des questions, donc accord avec le complément d'objet direct, question bateau. Et oubliez les cernes sont du masculin, même si on l'entend très très souvent employé au féminin, c'est du masculin, sans hésitation, pour les ouvrages de référence. Qui m'ont forcé, qui ont forcé moi, et comme vous le voyez, je suis une femme, c'est la narratrice ici, donc l'accord se fait
avec ce M apostrophe qui est un COD, à employer des crèmes anti-âge. Attention, traditionnellement anti-âge invariable ou orthographe, nouvelle orthographe recommandée, anti-âge en un mot est variable, mais vous ne pouvez pas mélanger les torchons et les serviettes. Vous ne pouvez pas écrire anti-âge avec trait d'union et S, ni anti-âge en un mot et invariable. Soit on est moderne, soit on ne l'est pas. Donc attention à cela. Enfin, de dicter des juniors. On continue avec un peu de poésie. Je me suis mis en tête, alors ici c'est j'ai mis dans ma tête. Le me, je me suis mis en tête est un complément d'objet indirect. Qu'est-ce que la narratrice a mis ? Eh bien, elle a mis dans sa tête de lire de la poésie moderne. C'est l'ensemble de la proposition de lire de la poésie moderne qui est ici le COD. Un petit peu vilain. Je me suis mis à faire quelque chose serait variable, mais je me suis mis en tête de faire quelque chose, ce n'est pas variable dans ce cas-là. Jacotet de C de T, E-T. Philippe Jacotet, qui nous a quittés récemment, il était né à Moudon en 1925, en Suisse romande, et il est parti à Grignan dans les années 50 avec sa femme, et il est effectivement tombé amoureux de la Drôme provençale, de cette région, et il en a écrit des recueils de poèmes et des réflexions également, des textes de prose poétique. Se sont récemment vus édités dans une prestigieuse collection, c'est la collection de la Pléiade. Il est un des rares auteurs à avoir été édité dans la Pléiade de son vivant. C'était en 2014, je crois. Donc récemment, moyennement récemment, mais voilà. Ils se sont fait éditer, ils se sont vus éditer, c'est cette tournure un peu passive du verbe « voir ». Et vu ici est invariable et édité est à l'infinitif. Vaudois majuscule provençal minuscule, puisque le vaudois c'est un gentilé, un nom assimilé à un nom propre, puisqu'il désigne une personne, et drôme provençal c'est un simple adjectif, et donc minuscule à provençal, et c'est dit, désolé Jacques Menou qui a zappé. La cédille de provençal, les signes diacritiques ont leur importance, on l'a déjà rappelé. Ce sont les textes d'Issel, donc de celle-ci, de cette édition, que j'ai lu. Alors je vois la remarque de Jacques, encore une fois, est-ce que ça pourrait être les textes de ses œuvres complètes ? C'est tendu, puisque bon, on fait référence à la dernière, au dernier nom dont on parle, donc plutôt Issel au singulier, que j'ai lu quoi les textes, donc accord avec le COD antéposé, il y en a plusieurs dans ce texte, et ces textes ont transporté toujours la narratrice qui est toujours du féminin. Parmi les oiseaux à travers les airs, on pourrait presque imaginer une majuscule à R qui est un titre de recueil de poèmes, mais le recueil de poèmes s'appelle vraiment R et pas les airs. Jacotet parle souvent des oiseaux, de l'air, il est extrêmement aérien et porté sur la nature, les arbres. Et jusqu'en Russie, il a écrit un texte qui s'appelle « À partir du mot Russie », tout ce que lui évoque ce nom-là. Deux autres poètes sont ici, je croyais pouvoir poursuivre avec Bonnefoy, Yves Bonnefoy, en un mot avec F-O-Y, et Éluard, Paul Éluard, peut-être un peu plus connu, qui donnait l'information du fait qu'on parle toujours de poète et non pas de Bonnefoy en deux mots.
Voilà pour ces trois premiers paragraphes et pour la dictée des seniors amateurs. Dernier paragraphe, à peine plus corsé. Phagocyté avec PH et Y, puisque cela vient du grec, phago, phagein, manger et cytos, la cellule. Je pense que phagein est une abomination grecque, maintenant que je le dis. L'écrire, c'était facile, puisque c'est le verbe estio, extrêmement irrégulier, mais bon. Il y a des formes en phag au passé, hein, et phagon. Donc je corrige ça parce que c'est probablement faux. Et phagon, j'ai mangé. Et puis cytos, la cellule, qui a donné beaucoup d'autres mots. Des préoccupations terre à terre, c'est invariable. Ça s'écrit sans trait d'union. Les piles de copies qui se sont amoncelées, qui s'étaient amoncelées, ici c'est un verbe essentiellement pronominal, et donc le participe passé s'accorde, n'ont pas décru. Alors si les piles avaient cru, elles auraient cru avec un circonflexe pour distinguer cela de cru du verbe croire, mais ici elles n'ont pas décru et il n'y a pas d'ambiguïté, donc il n'y a pas de circonflexe sur ce décru là. Fin du texte, mon Grönendal, un mot abominable qui désigne un charmant berger belge, un chien, et qui a une ligature OE à Grönen, qui veut dire vert à l'origine, probablement, comme le Groenland, et Dal, D-A-E-L, qui ne sont pas ligaturés. Donc cette. Quelque chose de très très particulier, mais orthographe très très difficile pour ce chien-là. Son lot de balades, ce sont des promenades, ce ne sont pas des poèmes d'amour qui s'écriraient avec deux L. Les ixodes planqués, les ixodes, c'est les tiques, elles sont du masculin, donc planqué et S, dans les herbes hautes et pas les herbes hautes, qui seraient les hôtes d'ixodes. L'appel de la bonne chère C-H-E grave R-E, non pas parce que ça coûte bon, mais parce que faire bonne chère, c'est simplement faire bonne mine, se réjouir, et tout ce qui est lié à la fête, à la nourriture, se retrouve dans cette bonne chère-là. Attention à l'orthographe, c'est un vilain homophone. La cancoyote, je n'ai pas grand-chose à dire, sauf que dans certains départements, ça se dit cancoyote et non cancoyote, mais les deux sont admis par les dictionnaires, deux L et deux T. Les brias savarins sont invariables, et les bananas split sont négociables, traditionnellement invariables. On peut mettre un S à split ou à banana et split, mais en aucun cas de trait d'union à ce mot-là. Voilà pour les explications sur ce texte de 1er avril qui n'aura pas recelé de blagues ou de particularités liées à la date, outre les références à Pâques et à l'explication de ce 1er avril qui aurait été le début de l'année, qui est le début de l'année plus ou moins astronomique et astrologique, mais qui n'est plus que le jour des blagues ou le jour des fous ou encore autre chose suivant les cultures et suivant les pays. Voilà. Je pense pour répondre à Jacques, on n'acceptera pas Issel au pluriel, en tout cas vu le mode de correction de tout ça. Les résultats vont tomber, je vous les affiche tout soudain. Et j'espère bien vous
trouver un prochain premier jeudi du mois. J'espère à cet égard que vous avez eu du plaisir aujourd'hui et que vous en avez eu également le mois passé avec mon remplaçant Jérémy Arki. C'est bien que les personnes qui souhaitent écrire une dictée, elle a proposé le puisse. Hein. Je pense pas devoir monopoliser la place. Et donc, si voilà, si vous êtes intéressé à créer des dictées, n'hésitez pas à vous lancer aussi. C'est quelque chose qui oblige à se plonger dans les dictionnaires et qui est, ma foi, fort agréable. Donc, sur notre chaîne, sur une autre, YouTube est un vaste monde. Donc, sentez-vous libre et sentez-vous libre de participer, toujours aussi enthousiaste et aussi nombreux à cette dictée, à ce rendez-vous. Je prends les résultats, je vous les affiche et puis on pourra se séparer très bientôt dans la joie et la bonne humeur, toujours. En tout cas, voilà, merci de participer à ces concours, merci de faire vivre l'orthographe à votre manière. Jacques, on acceptera d'autant moins tes réclamations que tu sembles avoir gagné en senior confirmé. Donc, on va en rester là. Toujours les meilleurs de la classe qui râlent ou qui font avancer le schmilblick, comme on dit. Les petites manipulations d'usage. Pour aller chercher ce podium. Alors, ce n'est bien sûr pas celui-ci. Donc, c'est celui-là. Avec les fidèles, parmi les fidèles, bravo à Henri Le Guen, 5 fautes, bravo à Florence Ricard, 3 fautes, je vous rappelle que c'est les seniors confirmés, donc sur l'ensemble du texte, et grand bravo à Jacques Menou, 2 fautes seulement, le CCD de Provençal et Issel mis au pluriel. Donc, grand bravo. Merci pour votre attention, pour votre participation et soyez fidèles et revenez le prochain premier jeudi du mois. Ça fait le 6 mai. 6 mai, souvenirs sont bons. Voilà, très bonne soirée. Prenez soin de vous par les temps qui courent et à une prochaine. Je vous rappelle les programmes d'orthodidacte avec d'autres dictées et toujours cette merveilleuse façon de corriger instantanément, ainsi que les possibilités sur la chaîne YouTube Scrabblophile si vous êtes intéressé par le Scrabble sous toutes ses formes, par du vocabulaire, par du topping super rapide. Allez faire un tour de ce côté-là. Et encore une fois, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao, ciao.